Voici Daniel Morin, messieurs-dames. Et on commence par cette excellente nouvelle pour les fonctionnaires. Ça y est, ils vont l'avoir, leur augmentation. Du pognon pour mieux consommer comme des cochons et relancer l'industrie du pays. Ah, merde, purée, ça fait du bien de temps en temps, de bonnes nouvelles. Alors, c'est combien l'augmentation ? 1,2%. Ah, bon, bah, oh, oh, c'est mieux que rien. Enfin, calmez-vous, ça se fera sur 2 ans. Ah, bon, ben quand même, du coup, l'année prochaine, on peut déjà budgétiser une belle augmentation de 0,6 points. Alors, pour un salaire, disons, de, allez, 1200 euros, ça nous donne une augmentation mensuelle de 7,20 euros. Attention, ceci est un message du ministère de la fonction publique. Chers amis et collègues fonctionnaires, à partir de bientôt, vous allez bénéficier d'une importante rentrée d'argent. Ne dépensez pas tout d'un seul coup, soyez prudents, la folie que peut provoquer l'arrivée inattendue d'une très grosse somme peut être déstabilisante. Accrochez-vous, bientôt dans votre porte-monnaie, vous allez avoir un peu plus chaque mois. 7,20 euros ! Oui, vous avez bien entendu, 7,20 euros à dépenser chaque mois, comme bon vous semble, l'occasion de vous acheter un paquet de clopes ou de prendre, comme ça, au pied levé, un Coca-Cola en terrasse. Alors, en prévision de cette folie de l'été prochain, vous pouvez vous acheter de la crème solaire ou bien une tongue. Vous achèterez la prochaine, le mois prochain. 7,20 euros qui tombent du ciel comme ça, c'est le service public, on ne s'y attend pas. Et craque le miracle de la générosité de ton gouvernement de gauche qui te gâte comme un petit salaud. Alors oui, c'est génial, oui, c'est géant, oui, c'est généreux, oui, c'est une folie socialiste, mais attention, n'allez pas non plus tout dépenser d'un seul coup. Quand on est pris dans un élan d'ivresse de l'argent qui coule maintenant à gros bouillons, quand on n'est pas habitué à gérer de grosses sommes, ça peut déstabiliser. Et pour vous accompagner sur le chemin de votre nouvelle vie de nabab, sachez que le ministère de la fonction publique a été jusqu'au bout en mettant en place une cellule d'accompagnement psychologique. Des psychologues qualifiés répondront à toutes vos questions sur comment et pourquoi il est important de gérer une fortune nouvelle. Petit vénard. Petit mot de conclusion, très très festif pour conclure, avec l'Union européenne et la Turquie qui se sont mis d'accord pour gérer les migrants. Allez, tous les migrants en Turquie, en attendant, on ne sait pas quoi, on ne sait pas quand, on ne sait pas où. Ce qu'on sait, ce qu'on comprend, c'est que les familles entières vont être encore une fois trimballées chez les Turcs en échange de 6 milliards d'euros. Des méthodes comme ça s'appelle du marché à bestiaux. À la différence près, et on l'a encore vu récemment avec le salon de l'agriculture à Paris, en Europe, le bétail est mieux traité que les demandeurs d'asile. S'il vous en faut encore un peu plus pour être totalement déprimé, écoutez-vous un petit album de Mylène Farmer, ça fera l'affaire. Bon week-end quand même. À lundi. La bande originale, Nadie, sur France Inter.